travailler la grand-voile. Toute la toile, il peut le supporter. Voilure à bloc, déployez le grand hunier. On approche trop vite de la... Attention au grain. Serrez un peu. Larguez la grand-voile. Allez, du nerf. Du nerf. Carguez tout. Laissez filer l'ancre. There. We were certain he was going to die. I owe you my life. Je propose d'attendre. Je crois bien qu'il a gagné. Il ne manque plus que le gros sang. Come on, men. Just a little more. Ne fais-tu pas ça? Quelle blague! Viens essayer! J'ai dit de t'arrêter, mon gars! Un fou furieux. J'ai presque envie de lui faire sauter le crâne avant qu'il se lance dans une charge suicidaire. Un instant, j'ai bien cru que j'allais y passer. Quant au lever du brouillard, nous nous sommes retrouvés à découvert. La bataille menaçait de tourner court. Heureusement, notre prise en tenaille a été. I'm afraid we will not make it out alive. I can get it from here! On se laisse! Il est là-bas! Il ne t'empirera pas si facilement! Dans ce cul de l'enfer, le brouillard est notre pire ennemi. Notre meilleur atout. Je ne sais pas où aller. J'espère qu'on s'en sortira vivant. Cette bataille ne finira jamais. J'ai l'impression de me battre depuis des mois. Il nous faut plus de canons. Nous devons les déloger de leurs armes. Le par derrière.
clear shot. La vie touche à sa fin. J'ai adoré ça, mais je tiens. Brisez le crâne. Many brothers today. It was a bloody battle, so but we have succeeded. A hard one. Let us honor them by getting roaring drunk. Dogs in the true master's war. Que puis-je faire pour vous? Autre jour. Le capitaine reprend la barre. Et ferme. Par tous les diables! Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est Gowazé? Nous arrivons trop tard. Non. Fort Frédéric est proche. Le colonel doit pouvoir le défendre. J'avais entendu le capitaine! Duller! Diminuez les voiles.
behind you. C'est l'œuvre de Kesegowaze, n'est-ce pas? Je pense, mais je n'ai pas encore aperçu ce démon. Le manuscrit. Vous... Protégez-le. Portez-le à bord. C'est un ordre. Vous donnez des ordres? À votre supérieur? Je ne fais pas partie de votre armée. Je m'occuperai des défenses jusqu'à votre retour. Kesegowaze. Vraiment de taille à m'approcher, sale traître. Chien de templier. Je vois vraiment de taille à m'approcher, sale traître. De taille à m'affronter, sale traître. Chien de templier. Je vois vraiment de taille à m'affronter, sale traître. Nous t'avons bien formé, traître. Kesegowaze. Il aurait dû en être autrement. Non, Shay. Tu es un ennemi. Achille finira par te tuer. Achille n'agit pas pour le bien. Qui es-tu pour en juger? Les Templiers sont perdus. Et toi, avec... Monroe... est déjà... mort. Qu'est-ce que tu dis? Liam... Le colonel est parti en direction des quais. Un colosse armé d'une hache pour chasser le colonel. Hey, don't move. Do not let him get away. I mean it. Keep your brown bass on your shoulder. It seems to me there's more clashing. Fleeing is futile. You're on your own. Le colonel, il est prisonnier à l'intérieur. Allez, sauvez le colonel. Un assassin l'a pris. Liam. Je le récupérerai. Je le jure. Shay. Thank you.
Jures-tu de respecter les préceptes de notre ordre ? Et tout ce que nous défendons ? Je le jure. De ne jamais divulguer nos secrets, ni la véritable nature de nos actes ? Je le jure. De nous rester fidèles quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort ? Je le jure. Tu es désormais des nôtres, mon frère. Tu es désormais un Templier, l'émissaire d'un nouveau monde. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Vous comprenez à présent ? Je comprends pourquoi vous vous intéressez à Shay Cormac. Shay a vu le vrai visage du monde. Et il a choisi son camp en conséquence. Vous aurez bientôt un choix similaire à faire. Je pensais pas que t'irais aussi loin, mais t'as l'air d'être sur la bonne voie. On peut toujours pas accéder au serveur du sous-sol, mais il y en a un autre en haut de l'immeuble, près du bureau de Mélanie. C'est là que tu dois aller. Passez me voir à mon bureau. Il faut qu'on discute. Ce bureau appartenait à un homme du nom d'Olivier Garneau. Avant que je sois en poste, il était directeur de la création chez Abstergo Entertainment. Otzoberg est un cadre de notre société mère, Abstergo Industries. Il te fera découvrir la véritable histoire du monde, comme il me l'a montré. Olivier était un type gentil, intelligent et passionné par notre travail. Mais il y a un an, il a été happé par toute cette histoire. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on briefe nos employés, mais tu as bien bossé et tu as fait tes preuves. Je t'accorde une autorisation de niveau 2. Les serveurs de cet étage devraient débloquer d'autres mémoires de Shay. François Mackendall a sauvé Baptiste de l'esclavage pour l'initier à sa prétendue confrérie. Mackendall était un mentor cruel. Obnubilé par l'idée de libérer les esclaves, il enfreignit son credo en tuant les nobles sans distinction. Malgré la voie qu'ils suivent, certains assassins ont le sens de l'honneur. Pas Mackendall. En 1758, grâce au génie et à la ruse de Madeleine de Lille,
Les Templiers firent un exemple de Macendall en l'exécutant publiquement. Ce qui lui tenait lieu de confrérie se délita rapidement. Quand son camarade et ami d'enfance Agathe s'enfuit en Louisiane, Baptiste comprit la futilité de sa vie passée, celle qu'il menait parmi les assassins de Macendall. Consciente du potentiel de Baptiste, Madeleine exhorta ses Templiers à lui proposer un marché. S'il parvenait à faire sortir Agathe de sa cachette pour l'éliminer, il serait admis dans l'ordre des Templiers. Même si Baptiste fut tué par l'assassin Aveline de Grandpré, sa vie démontre clairement la supériorité inhérente des idéaux Templiers face au terrorisme des assassins. Ton animus n'attend plus que toi. Des mémoires de Shay, c'est quand tu veux. Nous y sommes presque. Sachez que vous contribuez à une juste cause, même si elle se dérobe à votre compréhension. Je vais te ramener à la vie pour te remettre au boulot. Bordel! Qu'est-ce qui se passe? Encore un bug? Le même qu'avant, Shay est de retour à Notre-Dame. Essayez d'aller au bout de la mémoire, cette fois-ci. Ok. Shay est bien à Paris. J'ai même la date. 1776. À cette époque, Franklin était l'ambassadeur des Amériques en France. Mesdames et messieurs, Otzoberg, sieur professionnel et historien amateur. Ma foi, c'est un animal. Arrêtez! Que faites-vous? Je ne vous cherche pas querelle! Sale pourceau d'anglais! J'avais dit quitter sa colonie d'arriérés! Ouais, retourne à Boston! Oh. Shay? C'est bien vous? Après toutes ces années! Ah! Oh. Où sont mes manières? Merci, mon ami, merci! Mais que faites-vous donc à Paris? Sauf votre respect, ce n'est pas le moment d'en parler. Vous êtes encore en danger. Oui, je dois retrouver ma famille. Merci, Shay. Attendez-moi, voulez-vous? Je tiens juste à m'assurer que ma famille va bien. Thank you.
Comment avez-vous fait cela? Quelle chance de vous avoir croisé. Je crée ma propre chance, Master Franklin. Tout comme vous, je crois. Certes, certes, mon bon ami. Néanmoins, aujourd'hui, sans votre aide... Bon, vous avez toute ma gratitude. Puis-je faire quelque chose pour vous, en retour de votre bonté? Oui, vous le pouvez. Je dois rencontrer un partenaire commercial. J'ai appris qu'il se trouverait au château de Versailles dans 2 jours. Il ne laisse pas n'importe qui entrer au palais royal. Fort bien. Je vais tâcher d'arranger cela. On peut pas faire mieux pour l'instant. La simulation crache sans arrêt parce qu'on n'accède pas aux mémoires dans le bon ordre. Que proposez-vous? Si on parvient à explorer la vie de Shay dans les colonies, je suis certaine que ses mémoires de Paris deviendront plus stables. Très bien. Tenez-moi informé. J'upload la séquence mémorielle suivante. Shay Cormac, spécialiste de l'ordre en matière d'archéologie des précurseurs. Je ne suis pas un expert, monsieur. Mais j'ai vu quel mal les assassins pouvaient tirer de ces sites. J'ai étudié durant des années tout ce qui a trait aux précurseurs. Décris-moi ce que tu as vu. Eh bien, je sais que Templiers et Assassins recherchent les fragments d'Éden. Des armes puissantes, des pommes contrôlant l'esprit, mais cette fois, c'est autre chose. Je n'ai pas trouvé une pomme, mais... un arbre. Ces temples... maintiennent la terre en place, comme des racines. Lorsqu'on les dérange, Haïti disparaît. Ou Lisbonne. Ou tout autre endroit indiqué sur le manuscrit. Et les assassins persistent à manipuler ces structures? Oui. Si nous ne les arrêtons pas, ils continueront à détruire des villes. Je vois. On nous a signalé des assassins aux abords de la forteresse de Louisbourg. Nous allons rencontrer un officier de la Royal Navy, James Cook. Il vient d'être nommé commandant, un poste qui pourrait nous être fort utile. Guiste à l'écart. Très bien. Je pars au plus vite. Le colonel Monroe t'a toujours tressé des lauriers. Il était persuadé que tu deviendrais le meilleur d'entre nous. Alors, ne déçois pas. Je n'en ai pas l'intention, sœur. Gist, sais-tu pourquoi le capitaine Cook intéresse autant le grand maître? Son intelligence n'a d'égal que son ambition. Ses connaissances nautiques sont sans pareil. Et si j'en crois ma serveuse préférée d'Halifax, il vient d'être nommé capitaine d'un manoir. Il sait également déchiffrer les codes secrets, un expert. Un homme de tant de talent ne peut que servir notre cause. Le genre de personne que l'ordre accueille à bras ouverts. Ma foi, c'est un ami à moi, mais il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps en l'air. L'hypocrisie lui est inconnue. Sans dire qu'il y a bien mal des secrets. Il faut un cerveau de mathématicien capable de venir à bout de n'importe quel code. On va s'écraser dans cette falaise. Prenne-le en allié, mais prends garde à ce que tu dis en sa compagnie. Je m'en souviendrai. Comprendre que Louisbourg serait une pièce centrale de la guerre. Si la Royal Navy parvient à prendre ce fort, la voie du Saint-Laurent nous sera ouverte.
Et avec elle, Québec et Montréal. L'histoire est en marche. Ah ! De la bonne poudre cachée ! Ouais, ah ! Malédiction ! Ah ! Général Wolfe infligera une sévère correction à ce lâche de Montcalm. De quoi refaire une montée. J'attends ce sera pour la sienne. Quand cette guerre sera terminée, on enfin régner l'ordre sur ce continent. J'ignore si cette guerre suffira, mon ami. C'est un brique. Les couleurs du roi Louis. Donnez-moi de la vitesse. Ah,
permettre de... Donnez ta toile !
gagne grâce au butin. Thank you.
Tirez la grande voile. Au modèle, je veux de la vitesse. Allez plus, jetez-les, retenez. Que dirais-tu de renforcer le Morrigan grâce au butin ?